Le meilleur moment pour parler à son jeune de vapotage, c'est le plus tôt possible. T'sais, moi, je regarderais, on parle d'âge, souvent, on dirait peut-être alentour des quatrième année d'école, cinquième année, même plus jeune si ton enfant est quand même assez mature d'esprit pour pouvoir discuter, jaser de vapotage, c'est important de commencer le plus tôt possible. La plus grosse question, c'est je peux-tu te poser une question? Parce que là, on ouvre une porte, on est sur un ton qui est non autoritaire. Et on discute, on a une conversation par rapport à quelque chose. De le faire d'un ton puis d'une approche d'éducation. Ils connaissent ça pas mal plus qu'on peut le penser comme parent. Fait que c'est de s'assier et d'avoir une bonne discussion avec eux autres pour de la vraie information, les faits. On va dans les faits, puis on n'est pas là pour les disputer. On est là pour s'éduquer même avec eux autres aussi, comme parent. Donc, comment aider son jeune qui va te dire qu'il va pas. Mais c'est encore là, c'est l'approche de si tu as une approche de ben là, je veux pas que tu le fasses, puis non, puis ça fonctionne pas, ça fonctionnera pas parce que souvent le jeune est addicté à la nicotine. Fait que ça, le monde, les parents et les gens ne savent pas ou sont pas au courant que la nicotine c'est assez addictif, c'est incroyable. Fait que c'est pour ça qu'il faut s'assier, ok, mais là tu me dis que tu vas pas. C'est quoi est-ce que toi tu veux comme jeune? Quelle sorte de qu'est-ce que tu veux moi comme parent je t'aide là-dessus? Faut garder en tête qu'une discussion avec le jeune au propos du vapotage, c'est pour justement d'essayer d'aller voir comment on peut éviter l'initiation de certains produits, comment on peut aller chercher justement les aptitudes du jeune à dire non. On veut viser pour des habitudes de vie saines. On veut avoir du renforcement positif. On veut concentrer nos efforts peut-être sur l'éducation physique, l'alimentation saine. Donc, c'est vraiment de parler avec un aspect positif de d'autres choses qu'on peut faire au lieu de vapoter justement.